cher, je commence pas à me saouler. Je crois que tu connaissais. Je connais, bien sûr que je connais, mais je connais pas depuis tous les endroits. Je suis allé depuis Saint-Denis. Là, c'est un autre chemin. Bon, laisse-moi regarder, vu que j'ai pas le droit de conduire. Et elle est sûre au moins ta planque, là? Ouais, parce que c'est un peu plus sa spécialité à Kiko, les bonnes cachettes foireuses. Tiens, c'est là, j'ai trouvé mon Montmorency. Fais voir, c'est loin. À vol d'oiseau, il y en a pour au moins un quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi? T'es déjà allé en oiseau? Comment ça? Je te demande, t'es déjà allé en oiseau? Je sais pas, avec un cormoran, une chauve-souris, peut-être y aller en canard. Alors pourquoi tu nous prends la tête là? C'est à côté de Montargis, au moins pour 2 heures en bagnole, et encore, s'il n'y a pas d'embouteillage. Tu commences à nous casser les couilles, Titi, avec ta notion du temps. 4 minutes pour faire l'aller-retour, résultat, on a tous failli se faire serrer. Ah bon? Parce que toi, ta gamine de 5 piges, abandonnée toute seule à la garderie, tu la laisses tomber. Bravo, belle mentale, bah pas moi, monsieur, chez nous on te passe, ça, tu vois. Je sais pas ce que tu fais chez toi, mais chez nous on n'a pas l'habitude de faire le canard avec nos femmes. T'insinues quoi là? Qu'à force de faire coin-coin, t'as failli tous nous filer la grippe aviaire. C'est toi qui parles, ça me pique avec ta volaille sur les genoux. Oh putain, calmez-vous.